Merci de suivre le 6h30 de RTI1. Bonjour, mesdames et messieurs. Après les sites de Sangon, la semaine dernière, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan assure des sites de construction des logements sociaux dans la commune de Bengeville ce samedi. Une visite pour apprécier l'état d'avancement des travaux. Occasion pour le chef du gouvernement de demander aux promoteurs immobiliers de respecter le délai de livraison des maisons pour le bonheur des Ivoiriens. Bientôt un an que le projet de construction des logements sociaux et économiques a été lancé par le gouvernement. Beaucoup n'y croyaient pas au début. Avec le démarrage des chantiers à travers le pays et la construction des maisons témoins, c'est désormais l'assurance chez les présouscripteurs. Guy Roger Nguessan et Michel Digré ont rencontré sur le site de Bengeville des demandeurs de logements impatients d'habiter leur maison. Mamadou Bamba, accompagné de son frère, visite quelques maisons sur le site d'Adjamé Bengeville. Il est souscripteur au programme de logements sociaux et l'avancement des travaux semble matérialiser son rêve d'acquérir une maison. On avait des doutes, mais au vu de ce qu'on voit là, je crois que ça sera une réalité. Nous sommes quittés dans le rêve déjà. Pareil pour les futurs acquéreurs dont le site se trouve derrière le jardin botanique. J'ai visité les maisons, pour moi c'est bon. Moi en tout cas j'apprécie. Concernant le coût de la maison, ça va. Les chambres sont grandes, on a un garage de 2 véhicules. Sur les chantiers, promoteurs immobiliers, sous-traitants et manœuvres sont à pied d'œuvre pour tenir dans les délais indiqués et donner satisfaction aux souscripteurs. Aujourd'hui nous sommes à la phase présentation des maisons témoins. Nous avons réalisé tout ce qui est études d'urbanisme. Nous avons réalisé tout ce qui est études VRD, c'est-à-dire les études de voirie, réseaux et divers. Et nous avons finalisé aussi tout ce qui est plan architectural. Et nous sommes à la phase de démarrage. D'ici 2 semaines, nous commençons déjà à faire le terrassement. Le chantier est déjà ouvert. D'autres types de maisons sont en construction, comme ici, une maison en terre stabilisée. Les deux sites de Bengeville doivent livrer environ 4000 logements d'ici à la fin de l'année 2015. Depuis quelques semaines, le district d'Abidjan enregistre une nouvelle forme de banditisme. Il s'agit du phénomène des microbes. Les microbes, c'est une appellation de groupe d'adolescents qui sévissent à l'arme blanche à travers le district. Ce samedi, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, était à Williamsville, dans la commune d'Adjamé, à l'occasion des journées de restauration des mœurs. Ahmed Bakayoko s'est engagé à mettre fin à ce phénomène. Les explications d'Abou Sanogo. Les populations d'Adjamé entendent jouer leur partition dans la lutte contre le phénomène des microbes. Des gangs d'adolescents dont l'âge varie entre 12 et 14 ans et qui ont l'expérience du maniement des armes blanches. Leur cible, les passants, les tenants de cabines téléphoniques et les petits commerçants. Ils les agressent et les dépouillent de leurs biens. Au cours d'une cérémonie dénommée Journée de restauration des mœurs, organisée par la coordination des filles et fils d'Adjamé, les populations se sont engagées à mener le combat de la moralisation de la société afin d'endiguer ce fléau. Nous allons passer dans tous les quartiers, rencontrer même les microbes, les parents, tout le monde, afin de les sensibiliser et récupérer ces enfants-là. Le chef Boakari Fofana, président du Conseil supérieur des imams, Kozim, invite les parents à sensibiliser leurs enfants. À Bobo, il y a des quartiers qui s'appellent Marley, Colombie, Warriors. Et ce sont les enfants de ces quartiers qui sont devenus les microbes. Quels seront les enfants des microbes? C'est à ce niveau que nous attirons l'attention de nos mamans. Faisons de l'éducation familiale un fondement de notre travail quotidien. Parrain de la cérémonie, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a invité les jeunes à une prise de conscience. Comment on peut fier de s'appeler microbe, de se détruire et de détruire la vie des autres? Parlez à vos amis, à vos camarades qui font ces choses. Ahmed Bakayoko s'est également prononcé sur le transfèrement de Charles Blé Goudé poursuivi par la justice internationale à la Haye. Au nom de la justice et pour accomplir un devoir de justice, je coordonnais le décollage de l'avion qui à 10h03 a amené Blé Goudé à la Haye. On ne peut pas vivre dans l'impunité constamment. C'est impossible. Quand vous faites du mal, vous tuez les gens impuniment. Vous détruisez la vie des familles. Tôt ou tard, vous payez. Ahmed Bakayoko a scellé l'entente et la réconciliation entre les élus et cadres de la commune d'Adjamé.
En économie, sachez que le groupe de la Banque mondiale a renoué sa coopération avec la Côte d'Ivoire depuis 2007. Sur les 23 projets que finance l'institution financière dans le pays, 8 ont été exécutés et 15 en voie de réalisation. À Abengrou, à l'est du pays, 4,6 km de voies urbaines seront livrées dans 8 mois, quand des écoles et des centres de santé seront réhabilités. Coût des travaux, 3 milliards de francs CFA. Sylvie Touré. Sur environ 150 km de voirie, seulement 12 ont été bitumés depuis 1995. 19 ans après, Abengourou renoue avec le développement. Patrick Hachi lance ici les travaux de bitumage d'environ 5 km de route, travaux qui s'achèveront dans 8 mois. Ces travaux à Abengourou s'inscrivent dans le cadre du projet d'urgence de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire, à l'instar de la région Ndéné-Djouablé. Le ministre annonce d'autres chantiers dans l'est du pays. Et les dispositions ont été prises en matière de calendrier d'achèvement des travaux pour qu'au moment où la partie de la route à Ibélékourou, à Bengourou, Komoué s'achèvera, en même temps, le tronçon Komoué à Koupé, à Zopé s'achèvera. Pour que la totalité du tronçon soit mise à disposition. Au cours du même mois d'avril, il démarrera les travaux du tronçon à Boisseau, Noé et construction du nouveau pont de Noé. Pierre Demba, le coordonnateur du Prisi, a quant à lui fait le tour des établissements sanitaires et éducatifs réhabilités ou en voie de réhabilitation. Objectif, constater l'état d'avancement des travaux afin de donner un coup d'accélérateur à ceux qui sont en cours de finition. Mis en place le 28 janvier dernier, le Prisi est doté d'une cagnotte de 100 milliards de francs CFA. Projet qui intervient dans les secteurs prioritaires de la voirie urbaine, de l'eau potable, de l'assainissement urbain, de l'éclairage public, de la santé et de l'éducation. Le reportage de Ben Touré était commenté pour vous par Michel Digri. Quittons l'est de la Côte d'Ivoire pour le centre-ouest. La direction régionale des eaux et forêts de Gagnoa vient de lancer une vaste opération de contrôle des titres d'exploitation forestière. L'ambition est claire, lutter contre la fraude dans la filière bois. Le lancement de cette opération d'envergure a été précédé d'un atelier de renforcement de capacité des agents techniques. Thérèse Tapé, Yoboui. Le ministère des Eaux et Forêts a décidé d'assainir le milieu de l'exploitation forestière dans la région du Go, afin de permettre aux agents techniques des Eaux et Forêts de cette localité de mener à bien leur mission. Ils ont bénéficié d'un renforcement de leurs capacités. Ce plan d'action commande des activités qui doivent prendre en compte l'amélioration de l'exploitation forestière par des activités de lutte contre l'exploitation forestière illicite, notamment en termes de récolte de bois, en termes de sillage à façon et autres procédés qui sont interdits par la législation forestière. Le deuxième volet que vise ce plan d'action, c'est la réhabilitation du secteur forestier par des actions vigoureuses en matière de reboisement. La vigilance dans les contrôles au corridor et contrôle des activités des opérateurs de la filière bois et l'utilisation des nouvelles technologies pour la réalisation des reboisements était au centre de l'atelier. Il s'agit de permettre aux agents d'être suffisamment outillés pour atteindre les prévisions de reboisement fixées par le ministre Daré Babo pour 2014, qui sont la réalisation de 10 000 hectares de reboisement en essences diverses. L'accent a été surtout mis sur la sensibilisation des populations à la culture de l'arbre et à la création de plantations forestières qui restent le gage de la réhabilitation du couvert forestier de la Côte d'Ivoire. Autre chose, à Yopougon, la mairie a décidé d'appuyer des structures de microfinance à hauteur de 200 millions de francs CFA. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, nous dit Doua de Lazer.
Des pas de danse pour exprimer leur joie. Les femmes de Yopougon viennent de recevoir chacune un chèque d'une valeur de 1 million de francs CFA. Ce fonds est octroyé par le maire de la commune en collaboration avec une microfinance. Il a pour objectif de permettre aux bénéficiaires de se prendre en charge financièrement à travers la création de micro-projets. Les défis pour l'emploi en Côte d'Ivoire et pour la commune de Yopougon en particulier sont immenses. Le conseil municipal que j'ai l'honneur de diriger a fait de l'autonomisation des jeunes et des femmes une stratégie majeure de lutte contre la pauvreté. Aux premiers bénéficiaires de ce fonds, je voudrais tout d'abord vous féliciter pour avoir été sélectionnés et ensuite vous encourager à être des exemples pour les autres. Au total, 200 chèques ont été distribués. Je suis très très contente. Si aujourd'hui, monsieur le maire, grâce à Dieu, grâce à lui, on a un chèque d'un million à la main, à l'aide de Dieu, d'ici un an, on ne va plus aller demander près de 100 000 à qui que ce soit. On pourra multiplier ça en 5 millions. On a les diplômes, on a déposé, bon, on n'a pas eu encore de travail. Bon, le maire nous a donné une occasion pour pouvoir se débrouiller en attendant qu'on trouve vraiment un emploi. Le coût global du financement, 200 millions de francs CFA. Le maire de Yopougon, Gilbert Kafana Kone, entend multiplier cette action afin de lutter efficacement contre la pauvreté dans la commune. Hors de la Côte d'Ivoire, en Algérie, c'est ce dimanche que débute la campagne électorale qui va durer 3 semaines. Les candidats ont organisé des meetings dans tout le pays. Abdelaziz Bouteflika sera représenté par 7 hommes politiques qui feront campagne pour lui. Hier, le président algérien affirmait dans un message lu à la télévision par une présentatrice que ses problèmes de santé ne le disqualifient pas. En Guinée-Bissau, la campagne électorale pour les législatives et la présidentielle prévue le 13 avril prochain a démarré samedi pour les 13 candidats à la présidentielle et les 15 partis politiques aux législatives. La communauté internationale appelle les candidats à battre campagne dans le calme. Et puisque nous parlons d'élections, retenez que le premier tour des municipales en France démarre ce dimanche. Autre chose, toujours sur le continent africain, nous allons parler des problèmes d'eau à Madagascar. Un jeu pour faire réfléchir. Réfléchir aux kilomètres que les Malgaches parcourent chaque jour pour trouver de l'eau. Antananarive célèbre la journée mondiale de l'eau, programmée chaque 22 mars. Une journée qui rappelle qu'à Madagascar, la moitié à peine de la population a accès à l'eau potable. Quasiment rien à la campagne. Et en ville, cela reste très compliqué. Nous, on dépose le récipient d'eau à 4h du matin. La borne fontaine est ouverte vers 7h. Elle ferme à midi et rouvre vers 15h, juste pour 2h. Moi, je pose le jerrycan quand je me réveille à 6h du matin. L'eau n'est pas non plus gratuite. C'est 1 euro pour 100 jerrycans. Pas si cher, mais déjà trop pour certaines familles. Madagascar fait partie des 48 pays les plus pauvres de la planète, une liste établie par les Nations Unies. Les efforts des autorités portent donc en priorité sur l'eau potable, pas sur les lavoirs. Aujourd'hui encore, les femmes sont au bord du fleuve pour la lessive. L'eau nous semble sale, mais en fait elle est propre. Quand il pleut, elle donne encore l'impression d'être sale, mais cela ne gêne pas pour les linges. Le secteur de l'eau et de l'assainissement à Madagascar manque cruellement de financement et de formation. La journée mondiale de l'eau permet justement de solliciter les bailleurs de fonds pour que les enfants malgaches cessent de mourir de simples diarrhées avant l'âge de 5 ans. En bref, le sud de la Guinée connaît depuis début février une épidémie de fièvre virale hémorragique qui a fait, selon un nouveau bilan, 59 morts, ont annoncé ce samedi les autorités guinéennes. L'épidémie est une fièvre Ebola, selon le diagnostic fait à Lyon en France, ont expliqué les autorités sanitaires de Guinée. 2 semaines après la disparition du Boeing 777 de la compagnie Malaysia Airlines, toujours pas de traces de l'appareil. L'avion transportait à son bord 239 personnes. Les familles des disparus restent inconsolables. Une réunion qui dégénère. Des officiels malaisiens contraints de quitter la tribune pour ne pas se faire molester. Dans cet hôtel de Pékin, des proches de Chinois disparus laissent exploser leur colère.
Les femmes rassemblées à bout de nerfs sont persuadées que le gouvernement malaisien leur cache des choses. Rendez-moi mes proches. Dites-nous la vérité. Ils nous mentent. Nous ne savons toujours pas si nos proches sont vivants. Nouvelle piste ou encore un faux espoir pour les familles, la Chine a reçu de nouvelles images satellites d'un objet qui pourrait être un débris du Boeing de la Malaysia Airlines, mystérieusement disparu il y a maintenant 2 semaines. L'ambassadeur chinois a reçu une image satellite d'objets flottants dans le couloir sud. Et ils vont envoyer des navires pour vérifier ces informations. L'objet flottant mesure 22 mètres de long sur 13 mètres de large. Cet objet a été repéré dans le sud de l'océan Indien, à 120 km de la zone où d'autres éléments suspects ont été identifiés jeudi. Les recherches se concentrent donc désormais sur ce vaste périmètre isolé de 26 000 km² au large de la côte ouest australienne pour retrouver des débris, une trace de l'avion et de ses 239 personnes à bord. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. À 13h, retrouvez Alvorasa. Bonjour chez vous et bon dimanche.